Pourquoi contrôler seulement les machines? Pourquoi l'être humain n'aurait-il pas droit, lui aussi, à un peu de sécurité? Bonjour, monsieur. Bonjour. En quoi consiste votre contrôle marital, s'il vous plaît? Généralement, vous savez, le mariage provoque chez les conjoints un début de dégradation, voyez-vous. Alors, nous procéderons donc, c'est aussi bien physique que moral d'ailleurs, nous procéderons donc à une vérification, à peu près au moment où il y a le cap le plus difficile du couple, c'est-à-dire tous les 7 ans, à peu près, voyez-vous. Justement, ça tombe bien, c'est notre cas. Eh bien, écoutez, madame, voilà, ça tombe bien. Alors, si vous voulez bien passer la première... qu'est-ce que je dois faire? Ben, vous montez sur le pont. Tu montes, ma chérie. Pardon. Voilà, monte sur le pont, ma chérie. Voilà, c'est bien, oui. Permettez? Oui, je vous en prie. Bon. Ouais, la jupe est un peu fendue. Bon, enfin, bon, écoutez. Après tout, le châssis, ça va. La carrosserie et le châssis sont nickel. Ah oui, oui, ça, ça n'a jamais couché dehors. Hein. Si je peux me permettre, on voit que madame est bien entretenue. Oh, ben ça, elle me coûte assez cher. C'est une première main? Oh, non! Non, tout est... Ah, je suis désolé. C'est le premier à qui j'ai donné ma main. Ben oui, t'avais déjà donné tout le reste, alors, bon. Toutes les pièces sont d'origine, hein? Ah, j'ai jamais été refaite. Oh, là, là. Dites-moi. Oui. Venez ici. Oui. Venez là. Oui. Vous êtes le seul utilisateur? Ah, ça, Dieu seul le sait. Ça. Ah, voilà, je vous présente mon chef mécano. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Salut. Monsieur. Alors, bonjour, monsieur. Je vous permettez de rejeter un petit coup d'œil sur le train avant, s'il vous plaît? Si vous voulez, chef. Vraiment, ça va, chef. Tiens, pendant que vous y êtes, jetez donc un coup d'œil sur le train arrière. Attends, il n'y a pas que la jupe qui est fendue, chef. Hein? Voilà. Oh, dites donc, madame, vous avez toujours les pieds en canard, comme ça? Oui, parce que j'ai fait de la danse, qu'on est... Ah, mais non, attendez, là, il faudra surveiller le parallélisme. Vous faites marrer. Bon, au phare, maintenant. Mettez-vous en veilleuse. Au phare, pas de problème, regardez ça. C'est en bon. Code. C'est bon, chef, code phare, c'est bon. Les codes, ça va? Plein c'est... phare? Plein phare impeccable, chef. Jetez donc un petit coup d'œil sur les clignotants. Si oui. Ah ben, il n'y a pas de problème pour l'allumage, chef. Elle démarre au quart de tour, ça je le sais bien, hein. Chef. Oui. Elle fait des avances à l'allumage. Vous auriez eu un modèle plus récent, vous n'auriez pas autant de problèmes avec les bougies. Mais, parce oui. que plus on utilise de bougies, plus la bobine risque de s'abîmer. Oui, je sais bien. Mais enfin, bon, écoutez, d'entre nous, dans l'ensemble, votre femme peut tenir la route, ça ira comme ça. Je vous en prie. Madame est descendue du pont. Si vous voulez bien passer mais à votre tour, vous... Oui. Alors là, je voulais vous dire, depuis quelque temps, il fait de drôles de bruit. Ah, mais attendez, ah une bon question. Ah non, mais à froid ou à chaud? Oh, vous savez, au ralenti, de toute façon, il marche qu'au ralenti. On va voir ça avec le mécano. Tirez la langue, s'il vous plaît. Ah, ah, ah le chef, il n'est pas équipé anti-pollution, celui-là. Hein. Oh là. Faites-moi voir... Les pneus. Oh là là, mais vous avez vu ça? Mais dites-moi, c'est complètement usé, ça. Vous risquez de déjanter. Vous tirez pas un peu à droite? Ah, ça, faut demander à ma femme. Ah. Écoutez, à droite, à gauche, de toute façon, il cale en plein milieu. Alors... Bon, dites-moi. Oh là là. C'est une épave. Ah non, mais je préfère vous le dire, pour pas vous le preniez, ne vous choquez pas, mais c'est une épave. En plus, je suis obligé de vous dire, là, j'ai vu là, tout à l'heure le numérotage, il est plus coté à l'Argus, voyez-vous. Ah non, mais plus du tout. Moi, donc, on va nous le donner, notre tampon, sur notre livret de mariage? Écoutez, votre ménage, on le répare ou non? Ben, vous savez, à ce moment-là, je me demande si je ne ferais pas un échange standard. Ah, ben c'est possible. Hein, parce que là, oui, c'est... Hein, hein. Hey, chef, j'ai eu faire le pain super. Bon, mais écoutez, franchement, mais merci, monsieur, merci bien. J'arrive en coupé sport, elle repart en poids lourd. Mais c'est dingue, ça. Chérie, viens, je vais me refaire une conduite. Viens.